fait tous les points dans le bon ordre et le bon élève. Donc vous avez le droit de bricoler. De varier. Je suis très content, je suis bricoleur. Voilà. Donc c'est toujours intensité moins 4 depuis qu'on a fait ce... Parce qu'on a tapé sans rien dire. Ça peut changer. Mm-hmm. Toujours moins 4. Mâchoire supérieure, sinus. À droite. Je peux pas expliquer, c'est... Oui, c'est à droite. Oui, c'est là. Est-ce là, qu'il y a une odeur associée? Oui, il y a une odeur. Oui, une odeur de cul. Une odeur de crasse. Toujours demander les cinq sens. Qu'est-ce qui... Oui, c'est un goût aussi. Un goût de... Donc, les drainages, oui. Ouais, c'est presque encore plus le goût. C'est le truc. Donc là, je te suggère de faire des points, mais doucement, sur le côté droit, pour toi. Moi, je suis sur le gauche, mais... Ok. Donc, on va commencer avec la main sur le cœur. Il s'appelle comment la personne qui a fait le dentiste? Muriel. Mais je crois que c'est pas elle. C'est elle, pas c'est la goutte qui a fait déborder le vase. C'est tout le vase qui s'est déborder. Le truc, c'est que j'ai pas pris ma place et j'ai... Oui, voilà, c'est ça. Encore une fois, je me suis laissé avoir. Oui, voilà, j'ai pas pris ma place et encore une fois, je me suis laissé avoir. Ok. Donc, je me débranche de mon cerveau à ce moment-là, hein, parce que j'ai des informations. Par rapport à ses compétences. Donc elle a dit à une cliente qui a un problème.
base mentale de mon mal. Tout ça, c'est la base mentale de mon mal. Et si c'était quelque chose que j'avais pas lâché? Et si c'était quelque chose que je n'avais pas lâché? J'ai mordu quelque chose et je ne lâche pas. J'ai mordu quelque chose et je ne lâche pas. Et si j'ai lâché le morceau? Et si je lâche le morceau? Dans quelques domaines qui soient. Souffler à ta guise 3-4 fois quand tu veux. Tout de suite après, si la personne veut rentrer en dialogue, elle a besoin de parler, c'est normal. Laisse le temps de bâcher, on fait circuler beaucoup de vieux mémoires comme ça. Et dès qu'il y a trop d'émotion, il faut adresser l'émotion et dire toujours ça vient de passer, c'est pas à vous. Hein? C'est toujours une facette de passé. Donc, quel est le... ça peut augmenter. Oui, je voulais dire, physiquement, je suis là. Hein? Eh oui. Donc, ah, j'ai mal. C'est pas un empirement, ça veut dire il faut. You have to chase. En EFT, il y a une technique chase the pain. Chase the pain, c'est poursuivre la douleur parce que le corps a besoin de passer partout. Donc, je ne sais pas si la beauté de l'EFT, c'est que tu n'as pas besoin de partager devant les autres la pourriture. Je veux le mot pourriture à déclencher un truc. Mais, si je peux le dire. Oui. Au moins pourriture, j'ai vu ma mère. Ta mère, voilà. Voilà. J'ai déjà moitié compris. C'est un aliment féminin en lien à droite. Et ma maman est en train de mourir. Elle est en train de mourir d'une gangrène. De un? D'une gangrène. Une gangrène. Elle est pourrie. Un gangrène qui a commencé où? Au pied gauche. Au pied gauche, donc son yang. Voilà. Et
La mémoire, c'est ancestral, les reins, méridien, rate, foie. Et tout ça, c'est le détail, c'est jamais logique, les histoires de mère, de père, de fille. Et si on commence à rentrer dans ce chemin-là, on va faire des psy. Par dévalorisation. Voilà. Le psy peut faire ça très très bien. Hein, donc, si la personne a besoin. Mais là, Florence, elle est loin de ça. Elle a une sacrée énergie. Donc c'est que, c'est en partie grâce à la résilience créée par la difficulté avec sa mère. Donc on est. Avoir une mère dure et qui voulait un garçon, etc., etc. Elle a créé une résilience qui est fortifiée. Donc, le mâchoire, lâcher le morceau. Je lâche pas le morceau. Ma mère, tu es une salope, elle est en train de pourrir. C'est ça. C'est ça. Oui, mais ça te pompe beaucoup d'énergie, ça. Donc, il faut que tu sors de là. Tu n'as pas besoin de pardonner ta mère. Mais si tu prends des distances avec l'image de ta mère. Je ne lui en veux pas, mais quelque part, je ne le fais pas, mais j'aurais envie de faire comme avec mon ami thérapeute, c'est-à-dire rester, être présente. Or, je même pas être présente, quoi, c'est trop tard, c'est fini. T'as des frères et sœurs? Un demi-frère qui est en train de dépérir à ses côtés. Ah, lui aussi? Bah, elle le pompe, quoi, elle survit grâce à lui, elle le vide. Ouais. C'est dit. C'est dit. Donc l'intensité, lui. Ça, on peut faire. Okay. Ça aussi? Attends. Okay. Bâton magique. Où est-ce que tu pointes ça ou le chevreuil? Je vais prendre le chevreuil. Ah, dans le choix, le chevreuil. Pas par hasard. Quelqu'un nous a donné une cuisse de chevreuil, on a mangé et j'ai recyclé en baguette. Et il peut jouer parce qu'il a un petit pâte en cuir. Comme le baudron irlandais. Tout le soir avec la main sur le cœur. Laisse-le grandir. Thank you.
pardonner ma mère. Je ne suis pas obligée de pardonner ma mère. Mais je peux choisir de ne plus donner de pouvoir. Je peux choisir de ne plus donner de pouvoir. De tout mon potentiel de prendre ma place. De tout mon potentiel. J'ai tout mon potentiel, je prends ma place. De pouvoir prendre ma place. Inspire la vie, donner la vie à la vie avec chaque inspire, expire. La phase de silence est très important, de lâcher. Le son a activé les cellules, mais le silence reçoit l'information. En soi, je peux recevoir le téléchargement maintenant. Merci. Bienvenue. Ah, c'est plus léger. Ah oui. Donc c'est à répéter dès que ça ressurgit le vieux schéma, parce que c'est périmé, ça. Mm-hmm. On a tous nos vieux schémas périmés qui remontent et nous fait piéger. Et puis le rapport de force stérile. Et ça pompe l'énergie, mais c'est douloureux, c'est fatigant. Oui. Bon, ben merci, c'est un cadeau. C'est un... Bon, c'est pour ça que j'ai fait le tambour sur les jambes.
de partage parce qu'il est seul. Là, on est arrivé en deux. J'ai fait un peu vite, mais des fois, je fais plusieurs fois et je donne la baguette vraiment à la fin quand la personne n'avance pas assez. Et assez rapidement, voilà, 1 plus 8. Et ça, c'est la magie des tambours, parce que vous voyez, en EFT classique, comme il rame, des zigzags, ils vont divaguer, il se fait un plaisir, mais fou de rentrer dans lui, ta maman, t'as fait ça. Oh, la salope, elle a fait ça aussi. Non, je suis un peu dur, mais je prends vraiment les caricatures des gars qui sont. On cherche la douleur au fond. Et le Gary Craig, il a répété, je ne sais pas combien de fois, il a dit. Il faut pas aller au-delà de douleur. Dès qu'elle a commencé à décomposer là, avec le mot pourriture, c'est tout de suite un schéma périmé. Donc tu ne rentres pas dans le jeu parce que si je le pousse, je peux dire oui, pourriture, c'est qui là. Et lui, tu es contre-productif parce que le court-circuit, il vient de ça. Ah, ouais. Et tu augmentes le court-circuit, il y a des blocages de son énergie ne passent plus. Donc tu vas dans l'autre sens. Je n'ai pas pu faire un recadrement, donc ça c'est une autre technique qu'on apprend plus tard, mais tu peux recadrer et la personne finit par rire. Mmh. Ah, et oui, ça, c'est très... envie de rire en fait. Oui, c'est ça. J'avais envie de rire au moment, ouais. Donc, parce que les phrases, et quand on se rend compte, c'est qu'avec un thérapeute qu'on peut voir cette recul et dire « Ah oui, quand même c'est complètement con cette histoire. » En partie, j'ai maintenu cette danse. Donc en prenant notre responsabilité, ok, une partie de moi qui avait besoin de ça, mais maintenant... qu'elle passe en paix, paix à son âme. Yeah. Ok, donc... C'est très impressionnant, si je peux encore juste dire un truc. Yeah. Je sentais vraiment la vibration qui rentrait dans le premier chakra. On est dans le méridien de foie. Donc, vraiment posé, oui. Vraiment posé sur les genoux, c'est vraiment extra. Enfin, c'est, Et un octogonal, il a des pointes. Donc si tu vraiment... tu cherches, tu peux mettre des... Oh, c'est bon.